Salut les gens, c'est Tardarin, je suis toujours en compagnie de Katox, Atemir et WeirdMake, et nous nous apprêtions à faire des achats de composants, de l'alchimie, et rentrer dans une maison pour aller libérer un certain Orphéus. Ah oui, mais c'est les nains qui se tapaient dessus, là. Et oui, les fameux. Bon, vous me direz hein, quand vous m'aurez balancé, là. Bon, j'ai trouvé plein de trucs qui sont pas rouges, alors je ramasse. Hein. We can knock a little off the top if you've a mind to buy. Ah bah en plus, on a une ristourne sur une ristourne. Une sur ristourne. Wow, mais on a. Ah bah là, c'est... on a retrouvé tout le vieux stuff qu'on lui avait vendu. Quel enfer. Ultra ristourne, mais tu vas sur l'onglet composant et paf. Ça fait des jeux capiques. Magique. Ou genre des potions. T'as aussi des potions qui sont faites. C'est un truc magique, non? Les magnifiques œuvres d'art en forme de tête de démon. Ah! Où est-ce qu'on trouve des trucs composants? J'ai pas composants, moi. Y'a quoi? Non. Objet magique? Non. Autre? Ah, si, c'est ça. Et je dois lui prendre quoi? S'il y a des trucs pour faire des potions de soif de sang, on prend. Il nous faut du croc de worg. Déjà, pour commencer. Et ensuite, des trucs de géant des nuages ou de géant des collines. Oh, oh putain, sa mère, il y a une quantité infinie de trucs. Let's go. Quoi? Tu vas tout bon, piller, toi. Je sais pas vous, mais... Moi, laisse-moi sauvegarder avant. Laisse-moi sauvegarder avant. Si tu t'as sauvegardé, mais quand vous butiez en bas pendant 1000 ans, vous en a sauvegardé. Bah justement, ça fait il y a longtemps là. Non, c'est bon, je peux sauvegarder pendant que j'achète des trucs. Incroyable. Je vais t'en envoyer des trucs, Arda, là, t'es pas prêt. Hein. Alors, potion de guérison suprême, non. Ok. Et bah, moi je peux t'assurer que je suis prêt. Le marteau, il est prêt, hein. Bien, ça fait petit moment détente comparé à tout l'épisode baston qu'on a eu juste avant. Enfin, juste avant pour les viewers, c'était il y a quelques jours. Ouais. C'est vrai que ouais, il a été, ça a été de l'ultra bagarre quoi, du début à la fin. C'était la vengeance. Ah non mais attends, ça veut dire que tout l'épisode dernier, ça a été que des combats. Un peu globalement. Ah oui, il y a eu le fait. Alors là, je suis envoyé tout ce qu'il avait. Nous, ensuite, on s'est battu contre les chasseurs et ensuite on s'est rebattu contre nous. Tiens, Arda, voici une petite une maudite offrande. Ah. Entre les deux, il y a un nain qui a tenté de me tuer. Oui, alors après que j'ai été projeté dans le vide par un occultiste, c'est toujours là, t'es pas mort. Ouais, alors. Dans la timeline actuelle, hein. Ouais, c'est ça, ouais, c'est. On se croirait dans Marvel. Exactement. Ah mais t'as vu sur si jamais. En fait. Alors il y en a deux des vendeurs Katox. Je sais pas si t'as fait les deux. Ah. Il était pas un petit peu diminué l'autre. Je sais pas. Pendant ce temps-là, je fais les sous-sols. Hein, vous m'en voulez pas. Ils vont vendre des trucs. Bon, je vais regarder ce qu'ils ont. Vas-y. Pipi. Là, il y avait un élixir de mage de bataille. Paf, je prends. Ah oui, vas-y, envoie. Élixir de mage de bataille. Bon, c'est un sous-sol, somme toute, assez classique. Avec des carottes pourries dans les sacs. D'accord. Voilà, pour l'instant. Hein, Décevance sur 20. Non, ils vendaient rien. Pas vous mentir, il n'y a rien de passionnant pour l'instant. Ils vendaient rien. Donc voilà. Bah, le monsieur là, il vendait rien. Ah, il avait pas d'inventaire dedans ? Non. Alors après il se bave dessus était... le mec. Il était même en train de dire que sa femme allait revenir bientôt. Oh. Hop là, Arda, paf, un élixir de mage de bataille. Et on est bon, allons voir la magnifique maison de la... Attendez, je finis de ramasser la cave là, 2 secondes. Il y a encore des carottes pourries à ramasser. Non, là il y a de la belladone, et de l'armoise. Je sais pas à quoi ça sert, mais... Ça sert des compos. Bah voilà, c'est ce que je me dis. Il y a un coffre aussi, il va falloir que je crochette. Mais bon, normalement, ça devrait bien se passer. Ah, c'est que ça, moi je vais regarder la boîte aux lettres parce que... Ça sent le passage secret, ça.
Ça, ça moi, sent le passage secret, mais alors comment ça s'ouvre, je sais pas. T'as été où? Mais ça pue le passage secret, ce truc. Mais t'as été passé où? Oui, effectivement. Bah, il y avait une trappe dans l'arrière-boutique, là. Ah, mais t'es encore dans le bâtiment de... Oui, de... dans l'arrière-boutique, il y avait une trappe, je suis allé dessous, enfin, genre, j'explore, moi. Ok, bon, bah, je fais le tour J'ai vu des trucs à voler, je me suis aventuré, quoi. Je fais le tour du bâtiment, alors. Ah bah, j'ai bien fait, il y a et une oreille de hyène et un croc de worg, alors, je t'avoue... Bien fait de venir, moi. Et une clé aussi. La clé numéro 3, la clé du coffre numéro 3 de la maison des comptes. Oh. Et ça, c'est c'est sûr que c'est un putain de truc, hein. Ah oui, je confirme. Ouais, ça se voit la texture. J'ai toujours pas de quoi te faire un élixir de soif de sang, mon pauvre. Vas-y. Bah là, il a trouvé les... Attends, avec cherche, les crocs. Il était à fond dessus, hein. Mais bah je sais pas comment on fait pour y aller, les petits potes, là. Il me manque un croc de worg. Si près et pourtant si loin. Oui, ouais. Bon, bah écoutez, manifestement, il y aura un passage secret qui nous fait arriver là, mais je sais pas ce que c'est. Hein. Bah, ouais, je trouvais pas. Ah, si, je vois, c'est un map. Comment? Non, rien, je te trouvais pas sur la map, mais c'est bon. Il me manque un doigt de géant des collines et trois doigts de géant des nuages. Quoi? Il te manque trois doigts de géant des nuages? Oui. Mais tu viens d'en crafter un alors? Ah, on a pas eu. Bon, après, moi ça va, j'ai plutôt ce qu'il faut en élixir de. Pour le moment, je suis pas en PLS, j'ai encore, j'en ai encore quelques-uns. Bon, bah, Témir, rejoins-nous pour qu'on aille passer cette porte. Et rejoins-nous. Vu la vitesse à laquelle il va, il est en train de voler. What? Quand je clique sur la plaque, ça vous le dit? Ouais. The Devil's Fee. Ouais, si allez, vous avez... go. C'est là la maison des comptes, hein? Allons à la... Putain, merde. Oh, le timing était pourri. À la maison? Là, je voulais mettre le truc qui disait The Devil's Fee. Oh, il a l'air d'avoir des choses ici. Alors, ça, moi, je m'y connais pas, mais je pense que c'était un vautour, hein. Ou un toucan. Ah, toucan. J'ai trouvé des joyaux dans une vitrine. Perception réussie. Ça, je pense que bah c'était une poule mutante. Ah. Là, il t'a fait un wink. Ouais. Attends, mais qui c'est qui m'a fait un wink? Un portrait. J'ai découvert que... Ah non, d'accord, ok, j'étais en train de dire, ouais, super, mon perso, il a découvert que bah, la bougie, c'était une bougie. Qu'est-ce qu'elle a à offrir, avant de commencer à l'accuser de n'importe quoi? Mais c'est n'importe quoi, c'est que du toc, en fait, chez elle, là. Elle a des trucs sympas, je crois, pour justement les occultistes. Bah franchement pour l'instant Je crois qu'elle a elle a pas des trucs de fou, mais il y a un truc chez elle, je crois que... Ah, ou peut-être que c'est une arme, je sais plus. Bah là pour l'instant c'est des potions. C'est tout. Ah non, elle a des teintures, c'est cool. Ouais, mais elle a des arbres aussi. Oh, t'es pas sur l'onglet autre encore de là tout à l'heure? Peut-être que... Non, je suis sur tout. Ah ouais. Je viens de trouver un piège. Je t'ai envoyé des sous et un saphir qui était dans une vitrine, Arda. Si à un moment donné, il y a un garde qui vient de voir. C'est peut-être de ma faute. Ok. Non mais comme ça, t'es prévenu, quoi. Je me dis, en fait, à chaque fois que je vole un truc, je le donne à quelqu'un d'autre, comme ça, avec de la chance, c'est pas moi qu'on va venir voir. Je viens de trouver un gros piège. Il y a une rune incendiaire en haut de l'escalier. Ah, j'arrive. Ah, bah manifestement, t'as pas besoin de moi. Attends, laisse-moi. Il est doué pour désarmer les pièges. Je vais envoyer mon myrmidon. Allô, papa. C'est une façon de faire. Oula, ça a pas l'air.
Il y a un pentagramme et tout en haut là. Attends, mais j'arrive. Enfin, je vais y aller, mais par dehors, ça sera plus safe. Teinture pêche abricot. Oh, ça fait tellement beau. T'as vu la tenue? T'as vu le pim? Ouais, c'est joli, ouais. Je suis extrêmement déçu. Je pensais que la rune allait se barrer, et en fait, pas du tout. Ah, c'est juste que l'espèce de jaune moutarde avec le rose délavé. Ah, là, ça parle plus déjà. Ouais, pas mal, hein. Attends, ouais, je teste la dernière. De rouge, je trouve. Bah, je tente la dernière. Ouais, il y a un côté. Toréador, quoi. Arda, tu peux remonter à l'étage avec ton truc là. J'ai plus tu de trucs. Tu veux que je remonte à l'étage? Ouais, parce que en fait, j'arrive pas à. Et attends, tu dis que elle vendait pas des trucs de fou? C'est bon. Bah, ouais, non. J'y suis. Parce que là, moi, j'ai rien vu. Oh. Ah, bah, mais il doit. Je pense qu'il faut peut-être lui dire un truc spécifique pour qu'on ait accès à l'arrière-boutique. Non, oh, attends, t'inquiète, je vais l'ouvrir la n'aurait pas aidé ce genre de gros tâche, ça obtient quelque chose. Ah, bah si, il fallait peut-être parler de ce genre de gros tâche. Nous sommes de vieux collègues. Nous étions amants et notre relation était très chaude. Tu dois pouvoir sauter par-dessus, Arda, je pense. Likewise. Non? Less of a colleague, more of a contractor. But I digress. You seek answers. Lord Mammon seeks coin. I will happily mediate. Make me an offer. Je tente de la persuader au charisme. Ça va, faut faire 10. Ah, elle fait 13 qui se transforme en 20. C'est bon. Bien joué. Free, eh? Fine, I'll humor you, mortal. Just this once. You stand before Mammon's picklock, latch keeper of the nine hells. My business is not information, nor hellish curios. Not really. I break people into the hells. That's my thing. Ah, elle emmène des gens aux enfers. Ouais, c'est une... Merde, comment on appelle ça déjà? Plane Rider. Plane Rider Ring? Ouais, dans le même style. En fait, c'est Chetney. Le seul et l'unique Plane Rider. T'as continué à regarder ou pas? Oui, mais je suis à jour. Genre un épisode du moins. Elle veut des thunes. Oui, sans gold, c'est bon. I mean, I suppose that'll do. Stingy bastard. Mais où? Je t'ai entendu. The crown of Karsus left the vault, and an opportunity opened for a devil named Raphael. His house of hope is furnished with a great deal of treasures, many related to Karsus. But alas, he lacks the crown itself. He's rather ambitious. One can only wonder what he has planned for the crown. The answers to that can probably be found within his house. Oh, pouvez-vous m'introduire dans la demeure de l'espoir? On va faire un tour chez Raphaël. Ça sent la bataille contre un mec à 666 PV. Oh yeah. Attends, je dois voir si GL m'a débloqué d'autres marchandises. Et la réponse est... Ah si, des gants. Vos sorts mineurs pendant poursuivre vos adversaires, vos alliés peuvent toucher une cible de plus. La même cible peut être choisie deux fois. Attends, c'est quoi ça? Ah mais attends, wait. Eldritch Blast. C'est un sort mineur. Oui. Ouais. Les gants sont pour moi. Cap de la trame. Vous bénéficiez d'un bonus de plus 1 au DD du jet de sauvegarde contre vos sorts ainsi qu'à leur jet d'attaque.
Après les gants, je sais pas si c'est sur tous les spells que tu fais ou si c'est juste une fois par cours ou le repos. Hein. Et étreint de métamorphe augmente votre nombre de charges de forme sauvage de 1. Ouais, bon, ça, voilà. Ouais, c'est pour les druides, ça. Éclatos divin. Ça, c'est pour faire des Ça, popos. c'est résistance universelle, c'est pas mal. Mais y a rien qui peut permettre de faire vos trucs là. Et un bâton. Yen et Claude. Ah! Qu'est-ce Ma qu'il fait ce bâton? bâton bénéficie d'un Envoie, enfin, bonus de fais gaffe. plus 1 au jet de On est en train sauvegarde de de vos faire l'histoire. sorts. Envoie sur l'histoire, je te dirai si ça me va. Ça va sur un but. Ça tira pas, ça te sert à rien, c'est un truc de mage. Mais bah ça dégage, c'est de la merde alors. L'emmerde! Pourri, c'est pourri. Hop, moi j'ai gagné des gants. Il y a un coffre opulent qui est accrocheté là auprès du pentacle. Mais en fait, j'attendais que vous veniez. Bon. Parce que bon, à part le coffre opulent, il y a surtout des Oh portes. oh Ouais, je crois que oh c'est ça en fait, tes gants, tu peux les utiliser. Ouais, ils avaient l'air de... ils avaient l'air fous, mais je crois que tu peux les utiliser qu'une fois. Ben non. Bah même une fois, c'est déjà bien. Hein. Non, Ah, il y a c'est. encore un coffre orné de dorures, oh Bah, là là. je testerai sur un dans un combat, on verra bien. Oh, j'ai trouvé une clé en or. Est-ce que je lui demande si on peut s'introduire chez Raphaël? Ah bah. Attends, on finit de piller d'abord. Bon. Il y a plein de portes à ouvrir, de coffres à ouvrir, de. Il y a un cercueil. If you wish to die in Avernus, that's your bureau, des armoires. Tiens, je hey, y a un autre coffre. Of course, such a task. Ah, il y a encore un coffre dans la petite salle que j'ai Oh, ouverte. bien! Qu'est-ce qu'il Combien? Combien? 20 000 pièces d'or! Comment? Il a l'air d'y avoir une C'est plus planche une meuble géante, amovible là. près de. Note du directeur Gortash. Ouh, mais c'est intéressant. Tiens, Arda. Ouais. C'est trop cher. 25! Ok, tu es mon ami. T'es très loin, je t'entends très mal. Tu es mon Pardon? ami? Ça passe. Ça passe. Merde! J'ai envoyé un casque. Ça passe. Putain, oui, d'accord. Ça passe. Ça passe. Ouais, j'avais fait j'ai pas fait les maths correctement, je crois que t'étais à 24, j'étais à... Ah, dommage. 10 000! Attends, mais pourquoi tu donnes 10 000 PO là? Ça les vaut. 10 000! Ça les vaut. 10 000! Mais pour faire quoi? Pour aller chez Raphaël. Ah! Franchement, moi je dis oui. Non, Non, si le nain dit oui, c'est qu'à un moment donné, bon. Alors, note du directeur Gortash. Ok. Second, you will perform the rites yourself. I want absolute deniability. Bon, j'ai rien trouvé d'exceptionnel à part le casque que tu m'as envoyé. Il y a encore un coffre orné à. Mais attends, j'essaie de comprendre ce qu'on est en Prenez. train de payer 1000 PO pour là. Allez chez Prenez Raphaël. cette clé, elle ouvre une salle de rituel à l'étage. Well, c'est déjà ouvert, mon père. Ma chérie, c'est déjà ouvert, hein. On t'a pas Mais attendu. pourquoi? Hein. Elle vient à peine de me donner les clés. That is of utmost import to remember. Abu Dhabi. Abu Dhabi, Abu Dhabi. Bon, je suppose que vous êtes tout fouillé. Bon, vu Non, que mais là, pourquoi? t'as toutes les portes qui sont ouvertes, les coffres qui sont retournés. Toutes les rangées de bouquins aussi ont été fouillées, Attends. je suppose. Placez ce qu'il n'y a pas Dieu mais voyez autrefois au point ouest du cercle. Ah, ouais.
J'ai un crâne. Non, non, mais j'ai une bourse rituelle. Ouais, ça, moi aussi, j'ai un crâne. Point ouest. Hop. C'est là où il y a le nain. Quoi ? C'est fait. Bon, attends, tiens, je file la bourse, là, elle est là par terre, et moi, je vais lire le truc, toi, tu te démerdes. Elle est où, la bourse ? Par terre. Moi, à tes pieds. Deux espaces doivent se trouver à l'opposé de ce point. Quoi ? Deux espaces doivent se trouver à l'opposé de ce point. Donc, deux espaces à l'est. Deux petits ronds, quoi. Ouais. Sur celui de droite, ce qui sent mais ne peut renifler. Ah oui, non mais d'accord, en fait il faut juste que je la ramasse, la bourse rituelle, elle est par terre en fait. Oui. Oui. Donc sur celui de droite, ce qui sent mais ne peut renifler. Ouais, l'encens. Voilà. À côté des restes mortuaires, le seigneur de l'avarice est assis dans le sens des aiguilles d'une horloge. À côté des restes mortuaires ? Ouais. Les restes mortuaires, bah il y avait un cercueil. Et il est assis dans quoi t'as dit ? Donc à côté des restes mortuaires, le seigneur de l'avarice est assis dans le sens des aiguilles d'une horloge. Ça serait la pièce de maman ? Ah oui, une pièce, oui, seigneur de l'avarice. Enfin, le centre du cercle devra recevoir la merveille interne de la pierre infernale. Donc ça doit être ce truc. Ne le prenez pas mal. Il me reste un diamant encore. Ah bah c'est peut-être ça le seigneur de l'avarice. Non. Bah j'avais une pièce autrement. D'accord. Enfin, ne le prenez pas mal, allez au diable. Mention légale, le possesseur de ce grimoire certifie qu'il compte uniquement l'utiliser à des fins d'études ou de divertissement. Étant simple antiquaire, je ne crois nullement à l'existence de voyages transplanaires à destination des enfers. Bon, du coup... Ah ! Voilà. Il manquait de mettre le diamant par terre. Et bah, let's go, hein ! Allez, Tata Yo-Yo, on va les casser du démon ! Tata Yo-Yo ! Mais c'est ça où on va, là ? Oui. C'est incroyable ! Ah, c'est la fameuse petite musique. C'est la fameuse maison dans laquelle je vais avoir mes gants. Ben oui. Pourquoi que j'étais chaud pour qu'on vienne ici avant d'aller faire le vampire ? Je comprends. Pilier d'âme. Alors... Ça fait quoi sur le clignis ? Y'a rien à looter dans ce truc là, y'a des piliers d'âme, mais c'est tout quoi. Je sais pas, j'ai pas envie de cliquer dessus. Y'a un livre d'or. Ah, bonjour. Ah, le dialogue, faut l'écouter. Ok, alors manifestement, ça va être chaud, on n'a pas de healer, hein. T'inquiète. To dim from view, but you sense she could be convinced to return. Je peux vous libérer en vous libérant de la personne qui vous a fait du mal. Ok. The figure shimmers brightly. Your words seem to have piqued her curiosity. I hope so, but it is a faint hope. Just like me, I can't leave. I could only suffer. But I'm supposed to do that in silence. Everyone here hates me for what I am. I'm the thing that kills you and the only reason you're alive. Made by a promise and done by the truth. A handshake, a hug, the first beat of a newborn's heart. I am hope. What little is left of her. A guttering candle in a universe of night. I'm not much of a friend to anyone anymore. But I could use a friend myself. Do you want a friend to guide you through this madhouse? I hear the jailer. It hears me. It'll call Raphael, make every question count. Make some of them count twice.
faites des choix. C'est absolument pas. You brilliant, beautiful maniac. I'll hold him down while you trim his arteries. Except he's not home. I'm indisposed and you're in hell. Don't waste any more words or we'll both be sorry. The house is home to many things. Most will kill you, one can save you. The hammer that breaks the chains, you must steal it. You hear a sound like the rattle of a chain, and an agonizing scream in your head as hope flickers from view momentarily. C'est intéressant. Quiet. Mec, elle a l'air un peu starbée, hein. Un peu. Il faut pas la tuer celle-là. But it also makes them stupid. I'll make you seem as ruined as the rest of the people here. A simple glamour to make you a terrible wretch. Bah, eh. Voilà, t'as l'air d'un paysan. Little wretch, but really quiet and very clever. Concentrate. Bon bah charisme. Ah oui. Oh du ça va. J'ai 3. Et remember quiet as a mouse. Pourquoi elle est le bugle? Je sais pas. Comment ça le bug? Elle hurle puis elle dit chut. Bah. Laquelle? Oui, tu sais. Please, please, ah, faut dire oui. Please, 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 please. You don't even know why. All right. You have to listen very, very, very closely. I will say this only once. Find the key. Take the hammer, smash my chains. Find the key, take the hammer, smash my chains. Find the key, take the hammer, smash my chains. But be careful, when you take the hammer, the fire will come. And Raphael, you must run, 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 run. But don't forget me. Please, please, please. I don't want to burn. Not again. The rattle of chains echoes louder from unseen places, and without a scream or a sigh, hope disappears. Vraiment particulier. Ouais. Vraiment ah ben bah voilà, vous êtes tous. On est tous des pécores. Non, pas mon Myrmidon. Mon Myrmidon est toujours aussi classe. Come in from the cold. Oh, il y a des statues dehors. Pas dégueu, hein. Ah ben. Bah... Ouais, bon, un livre d'or. Il est classieux, hein, le... La petite maison là, elle est pas mal, moi je trouve. Il y a des âmes qui volent de partout là, c'est. Avec la petite musique et tout là. Il y a c'est un bus là dans la salle d'après là. C'est un sympa, Toche. Un maçon infernal. Oh damn, ça c'est... Invité. La table, c'est n'importe quoi, hein. A delicious aroma still lingers around the table. Your mouth waters. Just a little. On peut lui causer, Auguste, là. Il a l'air d'avoir la discussion.
Je pense que quand on myrmidon de feu, il va peut-être pas être très, être très utile. Alors. Mais il fera ce qu'il pourra. Despite appearances, this whole house is more of a prison than a parlor. Most here have no choice but to remain. I am one such. This is not my home. But I can never leave. I was an architect in life, a builder of tombs and temples, but mostly of towers. My proudest work reached for the stars and sought to dry Selena's tears. It was a monument to life and to virtue, and a happy home to my master for many years. Rien que ça. Ouais, pas mal. A great general, a greater man, Catherick Thorm. Oh bah comme le monde est petit. Ah bah. Tragedy came, my master fell into darkness and despair. He marshaled a great army to ruin the world and bring all into shadow. I could not let it happen. J'ai jeté un caillou à la tête. The devil, Raphael, and signed an infernal pact with him. He promised to destroy my master's army, and I promised him my soul in return. The devil was true to his word. Fiends slaughtered my master's forces, but he endured somehow. Ah bah c'était ça qu'il disait à un moment. Il y avait une méga baston entre les... Allez, les démons et les forces des... Les forces de char et les forces de char savaient pas pourquoi ils venaient les buter. Maintenant, nous sachons tout. Then all came to pass as I had hoped, though a century too late for my family and friends. Your actions may have justified the price of my soul. I thank you. Tell me, what became of my pride? What became of Moonrise Towers? Hmm. I did not think it possible. Thank you. My spirit smiles for the first time in a century. Now go. Finish your business here and leave while you can. Oh, j'équipe. Y'a une porte là. Allez, go! Attends, y'a quoi d'autre de l'autre côté? Une autre porte. Ok, bon. Y'a pas un truc dans la cheminée là? Du feu? Non, mais je sais pas, y'a un truc masqué sur la carte, ça me stresse. Ah! Je reviens. Comment ça, tu reviens? Il a été volé à l'étage. Je suis parti dans les couloirs du temps, comme qui dirait. D'accord. Bah, il a été volé jusqu'au-dessus, quoi. Bah, il y a une porte là, ça m'intrigue en fait. Ouais, ça a l'air. Bah, ça, si t'as un combat, l'air... t'es tout seul, hein. Ouais, pendant c'est ce que je me dis, ça a l'air sketchy, sa mère. Pendant ce temps, notre nain ne dit rien, c'est qu'il sait des choses et qu'il veut pas nous spoil. Je crochette. Ich bin crocheting. Peut-être qu'il est parti bisser. Ah, peut-être. Un nain qui se tait. Réussite critique. Ah, non. Non, j'étais en train de réfléchir à un truc, pardon. Réussite, mais pas critique. Opening la porte. Ce qui est marrant, c'est que crocheter, ça rime avec OK. Choral. Ouais. Ah, on a retrouvé Espérance. Ça,
spilt wine is laced with the perfume of an exquisite poison. An unexpected treat. They're eating me from the inside. Ooh. The rats. The rats. The rats. Ugh. Ooh. Qu'est-ce qu'il y a? Mais le gars là, il se fait manger. Il se fait dévorer de l'intérieur par des rats. Brother, welcome. It's so good to see a new face. Qu'est-ce qu'on fait? On va en face ou on fait le tour vite fait de la salle pour s'assurer qu'on... Il faudrait peut-être commencer par discuter pas avec Espérance. Hein. Bah ouais, mais alors si tu regardes la salle, il y a un gros point de quête dessus. Et j'ai peur qu'en lui parlant, elle ouvre la porte, tu vois. Ça me ferait chier. Bon bah continuons à explorer. Non, pas, hein, c'est... Ah, Katox il se fait parler là. It's burning. Sizzling. Do you feel it? Don't come too close. Comment? My bones are kindling. Ça a l'air chouette sa vie à elle aussi. Ils ont tous l'air passé un moment merveilleux hein. Ouais, ça. Ça c'est sûr que Raphaël il sait recevoir quoi, c'est bon. Ah bah là voilà la porte. Ouais. Ouais. Y'a un coffre là. Oui, this is Raphael's chamber pod. Its admirer, its protector, it is my one true beloved. Des petites potions de sommeil angélique, c'est d'accord. Yes, petite réussite. Il y a l'air d'avoir quelque chose là avec cette gemme là. Oui, j'ai cliqué dessus, j'ai réussi un truc. Ok. Ça a fait quelque chose? Ça a changé la couleur de la gemme. D'accord. Et sinon? C'est tout. Ah, petite reprise d'orgue, sympathique. Il y a des portes partout. Ouh, un petit point de vue sur la Vernus. Ah, il y a un truc là. Voilà. Bah, j'ai trouvé un très grand truc. Ah ouais, mais attends, moi j'ai trouvé un... Suivez-moi, je connais un passage. Par contre, je sais pas où t'es. Bah, je peux y portail aller. Portail vert, portail vert. Oh, mais il y a plein de portails. Ah ouais? Ouais, faudra tester après. Ouais, bon, on ira après. Ah, c'est pas beau à Vernus, hein. Sachant que t'as sauvegardé. Ah, oui, bah... Mais t'en as vu d'autres que celui-là? Ah, tu vas vers le passage, c'est ça? Ouais, ah. Ah oui, mais comme on n'a pas le marteau, faut attendre. Oh, il y a un beholder dans le fond. Oui, c'est le gardien. C'est le moment. D'accord. Je vais ouvrir la... la flasque du début du jeu. Observateur versus observateur. The whole house will go up in flames. Raphael will fly home furious. Ready for Raphael's homecoming? He'll use you as a handkerchief. No, no, no. Don't listen to me. You're gonna do just fine. Vous allez crever, vous allez voir comme de la grosse merde. Ne faites pas attention à ce que je dis. Tout va bien. Tout va bien se passer, allez-y. On ira là après quoi, tu peux remonter ou pas? Oui, bon, c'est Espérance. C'est... Ah mais non, c'est les grosses gemmes qui le butent. Oui, on peut remonter. Alors là, il y a toute une histoire de portail. Ouais, mais il y a des coffres aussi là. Pas de calas, pas d'hiver. Ouais, pas d'hiver, c'est... Uscan, Meso... Bon, il y a moyen que ça soit marrant. Pas d'hiver, c'est Neverwinter. Hein. Et là il y a un truc mais ça peut pas se projeter là où il y a...
Bah attends, mais des portails. Ouais. Porte de Baldur. Menzo Beranzan. Du scan. Ascatla. Qu'est-ce qui se passe si on bouge dessus à ton avis? Waterleap, pas d'hiver. Bah, je pense que j'aimerais savoir. Je vais commencer par Ascatla. Sauvegarde avant. Oui. D'abord. Alors. Waterdeep, the crown of the north. Neverwinter, salty air, the patter of feet. Ok, il se passe rien même si tu cliques sur pod de base du genre. This portal leads directly to the frigid citadel of Mephista, nestled in the hells. Waterdeep, bring a heavy gold pouch. Ouais, ça n'a aucun intérêt. Mais ton perso fait des réactions. Oui, oui, non, mais ça j'entends bien. Mais... dirige le coffre par là. Ok. Ah bah il y aura la prison, faudra sans doute y aller après, mais je pense que le portail ça sera peut-être plus intéressant. On retourne là où... Bah il n'empêche, il y a ce truc avec ta gemme là. Oui, ça mais j'ai déjà fait tout ce qu'il y avait à faire je pense dessus, j'ai cliqué. Et ça a rien fait? Bah ça l'a mis en couleur. Ok. Ah du scan, oui c'est... ok. Du coup est-ce que vous me rejoignez jusqu'aux archives de Raphaël? Je suis en arrivance normalement. Parfait. La porte elle est ouvrable. Oui. Je suis là. J'arrive. Attends, vous êtes où? Katox. Déjà vous êtes où? Okay. Devant les archives. Vers le nord. Dans l'ouest. À l'ouest. C'est parce que je cliquais sur le portail pour voir ce qu'il allait dire. C'est old news. Je suis là. Parfait. Bah, taillot. Ah. Alors, il y a quand même une sphère imperméable. Ouh. Il y a un archiviste. Pas l'air hyper choucard. Ordre pour l'archiviste. Veuillez déplacer sans tarder une partie des contrats et des trésors dans la cage principale. La question imminente de la couronne de Crassus nous réjouit. Certains objets seront exposés, tandis que d'autres seront entreposés dans les coffres de notre chambre forte. Nous voulons que l'amulette de santé exceptionnelle et les gantelets de force de géant des collines soient placés dans les archives où un emplacement d'honneur sera réservé à la couronne. Dans la chambre forte, nous conserverons le bâton de puissance de sort et le dépôt secret d'or de secours. Il y a du loot. Domptage d'espérance, première partie. Là, il y a des gantelets de force de géant des collines. Si jamais. Et à tout moment, je suis camouflé, personne ne me voit. Hein. Je peux les voler. Hein. Je pose ça là. Alors, il sait recevoir, mais il sait aussi se mettre bien. Hein. Là, il y a quand même un petit point de vue, les gars. On va pas se mentir, c'est pas dégueu. Il hein. Y a une petite amulette de santé exceptionnelle. Putain, il s'est mis bien là. Hein. Il y a deux fauteuils avec des repose-pieds. Il y a des chichas. Il a à bouffer. Et un point de vue de bâtard. C'est incroyable. Non, c'est pas des... Comment ça s'appelle les grandes chichas là? Ah, des narguilés. Yeah. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez pas l'air de faire grand chose? Bah je lis un peu ce qu'il y a.
The Couvert, vous voleriez pas un peu tout ce qui se vole là? Amulette de santé exceptionnelle. Bah le marteau il est là si jamais. Dans la truc de sphère de machin. Oh, confère au porteur une valeur de 23 en constitution. Le marteau et le non, l'amulette de santé. Oh. Oui, ça pour du caster c'est overpété. Et on peut pas le prendre? Ah bah. Casse la tienne hein. Ah ok, je crois que j'ai dit les mots magiques. Non non mais au cas où. Ouais, j'ai cliqué, il m'a dit si j'y touche, il me bute. Du coup, je vais peut-être pas. Bon, il est nul, il a 10 partout. Ça se fait, non? Ouais, des télescopes, parce qu'on peut voir des trucs. Ça se tente. Et les gantelets de force de Géant des Collines, ils font quoi? Bah, je pense qu'ils doivent te foutre au moins 25 en force ou un truc comme ça, non? Est-ce qu'un porteur a une valeur de force de 23? Ouais. En soi, bon, vu que mes élixirs me filent 27, bon, par contre, on aurait pu développer un petit peu plus le paysage, quoi. Ah bah, c'est en même temps, bon, on se retrouve un petit peu dans le cercle des enfers, donc... Oui, mais quand même, quoi, tu vois que... T'attends pas à trouver des oasis en plein milieu, tu sais, Non, mais on aurait pu voir des combats dantesques. Gantelet de force de génie. Ça aurait été... Bon, et du coup, comment est-ce qu'on récupère le machin de sphère imperméable? Ben, pour comment on récupère les autres objets, là, gantelet de force, machin... Trouver un moyen de désactiver le champ d'énergie magique. Bah ben, c'est peut-être en causant à l'archiviste, non? Je vais lui parler. Ah, je vais faire un jet de perception raté. Or a visitor from elsewhere in the hells. I do not believe you were invited. One moment. I shall consult the visitor's schedule. Most irregular. The schedule is all but clear. And yet you are here. You are here. We are. Allez! No visitors expected, other than Carilla Hearthflame and Virilius Receptor, Zariel's High Inquisitor. Ah! La tromperie, ce sera pas la même. Hein. Bon, je vais te laisser lui parler, hein? Pourquoi moi? Encore me faire taper dessus. Mais oui, mais t'es un super. Mais c'est toi qui as choisi le charisme. C'est toi qui est le plus charismatique du groupe. Blablabla, blablabla, blablabla. Most irregular. The schedule is all but clear. Bon, ça va. Ça passe. Je vais faire 3, putain. Quand même. Heureusement que j'avais toussé ça. Thousand apologies, O majestic magistrate of the infernal court. Your mortal guide. Te dire que t'étais immonde, ça me fume. Perfectly convincing. I would prostrate myself before you and kiss your calluses, but my spine is ruptured in a thousand places. You do know how Raphael likes to play. As always, the archive is yours to peruse. You'll find everything accounted for, and I can present documents of procurement if necessary. J'aimerais avoir le marteau, s'il vous plaît. Si j'avais un marteau. You may examine them, O diabolical dominatrix. But they cannot be removed unless you present a writ of infernal requisition with article 152 correctly filled out. Le laisser passer à 38. A fine pair of gauntlets, the
can't allow the wearer to twist the head from even the most resilient malingerer. An amulet that causes the blood to surge and the heart to swell, along with other parts. Most invigorating. And awaiting installation, we have secured a rod that gathers the weave around it in great quantities, just as surely a shit gathers flies. Oh, que de poésie. Quelle poésie. An exquisite and most unique artifact, crafted with materials hewn from the depths of the Hells by Raphael's Merrigan labor force. As it was created by Raphael himself, we have no documents of procurement, nor do we require any. But if you wish to examine the artifact, it's as part of the special collection, that item is guarded by a master word that even I do not know. I suggest you wait until... Si c'est un vrai garçon, tout le monde connaît le mot de passe. Discuss the matter with him. You are welcome to relax in the boudoir until then. It is where Raphael conducts his most private matters of business and pleasure. You will need this to gain access. The resident of the boudoir will wish to explore every inch of your new form, and I'm sure you will be happy to share. Le coquin nu. Bon, comment on prend ce marteau du coup? Bah, il vient de dire que il faut aller dans le boudoir. Ah ouais. Bah allons-y alors. Bon, ballon boudé. Si vous regardez la map, il y a un point d'intérêt qui a pop. Je sais pas si vous avez vu. Non. Ça, le trésor de Raphaël. Deux. Ah. Bah ouais, mais c'était ça où je voulais aller tout à l'heure, mais. À go. Mais le truc, c'est que je sais pas comment. Bah ouais. Ah bah t'as... Ah, j'aime... Si... J'aime de contrôle infernal. Ah bon, ok. Ah merde, je peux pas. Bon bah... Bah j'ai fait 1. Ouais, ça c'est un échec hein. Faut faire 20. J'ai fait 2. Ah quand même, ouais, parce que le mage il aurait pas su, ça aurait été quand même inquiétant. Bon voilà, j'ai fait 24. Moi j'ai fait 2. Et du coup, tu viens de me faire foirer mon superbe, j'ai 24, mais bravo, mais merci. Bah oui, mais de rien. Oh purée. Voilà, oh, coup, maintenant j'ai fail, mais bravo, mais bravo. Monsieur, ah mais, t'aurais pu attendre. Ah, On peut te retourner le... La priorité venait de la gauche, là. Non, mais maintenant je fais que des jets de merde. Mais tu vas y arriver, tout va bien. J'avais réussi du premier coup, là. Justement. C'était tellement simple, j'étais un peu de challenge, alors remercie-moi. Après, je sais pas trop où on en est dans vos épisodes et tout, par contre. Aucune idée. C'est-à-dire que... Bah, dans les timings et tout, là. Mais c'est okay. Le trésor, il y a de l'or. 666. Oh. Il a l'air d'avoir un sacré style le casque. On a trouvé Moll, il paraît. Quoi? On a une mise à jour du truc trouvé Moll. Ouais, je viens de ramasser un truc qui s'appelle le contrat de points Moll. Ah, mais lis-le. Bah, je peux pas. Il y a marqué utiliser, jeter, lancer. Ah, utiliser. Mais si j'utilise, il se passe rien. Ah. Voilà. Bon. Bah, j'ai envoyé le casque bizarre à Meunmire. Bah ouais, mais vaut mieux que ce soit pas moi qui le mette. Enfin, moi j'ai déjà un ultra méga casque armure médium. C'est soit toi, soit Arda qui doit le mettre. Parce que ça évite que vous soyez blind. Bah, moi j'ai plus de charisme.
Moi j'ai un super casque là. Attends, ton arme. Attends, non, merde. Tu gagnes plus 2 au jet d'attaque. Ah ouais, il est pas mal ton truc. Il est pas mal, putain. Hein. Ah ouais. Bah ouais, bah après ton truc, plus 2 de charisme, je sais pas. Bah si, ça me donne un plus 1 bonus à. Plus ça me fait passer. Ton machin, ça file plus 2 au jet. En fait, ça augmente de plus 2 la difficulté de tes jets d'attaque. Enfin, des saving throw pour. Ouais, mais là, ça me donne un flat plus 1 sur les 3. Sur chacun des charges occultes. Ouais, bah, c'est toi qui vois. Du coup, je te les donnais. Ouais, bah, je te les refile. Bah, ouais, ok, bon, je le vendrai, hein. Moi, je n'ai pas d'utilité. Il y a encore des coups. Ah, mais attends, le spell, enfin le bâton, c'est pareil, il refile un spell slot. Le Kamasuna. Attends, le bâton là, il faut que je le file à quelqu'un. Bah tiens, je te le file Arda. C'est un machin qui, quand tu l'as, ça permet de caster un spell sans utiliser un spell slot. Il est déjà là sur moi et. Le bâton que j'ai me le fait déjà. Si t'en as deux. C'est pas moi qui ai sauvegardé. Si t'en as deux, ça fera deux fois plus de spells gratuits. Du coup, je le conserve. Ah oui, alors moi je vais prendre un petit bain. Tu vas prendre un petit bain? Oui. Robinet de restauration. Ah merde. Ouh, hé, hey, oh. Putain. Waouh. Oh. Les sexes de fou. Bouger la même. Ah mais c'est lui. Eh mais pourquoi je suis le seul à pas pouvoir voir le... C'était avec ton myrmidon. Vous semblez bien maigrichon. Moi je suis là genre... Un accident, téléportation manquée. Do not lie. Try again. But this is your last chance. Raphael all but spent himself. To get that hammer. And you want to take it off him? This is very naughty. Whatever are we to do? Why don't we play a game? You win, I give you everything you desire. But you'll enjoy yourself more if you lose. Boom. Et son petit non. Jeu. It's a surprise. Off with your clothes. Ah. Alors, attends 2 secondes. Hop là, vas-y. Tu peux. C'est bon. t'as coupé les trucs, t'as l'écran ou ah, faudra que vous me racontiez ce qui se passe. Hein. Bah là, on a. On a des seins. On a le monk à Walp. Ok. J'ai bien fait de retirer la scène. Désolé, très cher public, si vous vouliez voir des chuchis, faudra aller sur une autre chaîne. He only ever wants to sleep with himself. What's better? Alors du coup, il se passe quoi? Et eh bah ben là, il est en train de dire que c'est la cube. Oh, mais t'es tout nu là, ou là? Bah oui. Ton perso. Ah, attends, non. Là. Passage de. Passage de menu. Après il suffit d'éditer le truc. Passage de menu, ouais, passage voilà. De menu. Non, mais voilà. Là, ça va être difficile. Ah, c'est infini. Pourquoi il s'est transformé en meuf? Parce que c'est le cube est devenu une succube, Arna, si jamais.
Mais en fait, Arda, je comprends pas pourquoi tu laisses pas ta scène et tu mets pas juste un gros carré noir sur OBS après. Je pourrais faire ça, oui. Comme ça, au moins, mais les ça, gens... Mais en fait, pourquoi est-ce que je n'ai pas envie de le faire? Parce que c'est du taf en plus. Ah. Oh, moi, je dirais au signe que ça reste d'être démonétisé. Bah. Ouais, en vrai, pour 30 vues, ça peut être démonétisé, je m'en fous. Hein. J'avoue. Bah alors, bon. Pourquoi tu... Qu'est-ce que je lui raconte, là? Bah, tu préfères coucher avec le mec ou la femme? Vas-y, let's go. Non, mais là, nous, on est là pour coucher avec Raphaël, là. Mais toi, en fait, t'es la gourgandine du groupe, hein, on va pas se mentir. Clairement. Bah, c'est un monk, quoi, il a tout mis en dex. Hein. Ah bon? Ouais, c'est pas faux, ouais. C'est... Bah, c'est l'entraînement. Pardon. Je les appelle passage de menu, on a une grosse paire de boobs. I will be Raphaël. Non mais je vais vraiment quête. Là, faut pas voir, là, regardez par là, regardez là-bas, c'est bien. Et là je le tabasse maintenant là. Ah, comme ça je l'attaque à poil. Let's go. Alors, attends, avant de prendre ta décision, réfléchis à qu'est-ce que ça implique. S'il y a une scène un peu steamy, je coupe le record quand même, parce que faut pas abuser. Bon ça va, on prend une paire de fesses. C'est vrai que là... Bon, let's go, enfin de toute façon, je sais pas ce qui va se passer, je m'en fous. Je suis prêt à stopper le... Ah bah, tu sais pas ce qui va se passer, bon... Non, bah, je pense que je vais le ken, mais... Ah bah, je pense que c'est toi qui va te... Et là-dessus, on dit une fin d'épisode, salut tout le monde. C'est vraiment le fin d'épisode, salut tout le monde.